Bienvenue à l'émission de la roue de la fortune de Sam. Accueillons nos concurrents. À ma droite, nous avons la douce, intelligente et dotée d'un goût incroyable, Suzanne. À ma gauche, la courageuse, résolue et avec un grand sens de l'humour, Samantha. Aujourd'hui, nous allons découvrir laquelle des deux est la plus douée en magie. C'est parti. Et c'est parti. Tourne, tourne, oh, roue de la fortune. Et notre première question est... quelle est la créature la plus magique? Ah, les participantes ont pris leur décision et... Suzanne, votre réponse? Trop facile. C'est la licorne. Et c'est exact. Hey, ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde sait que la plus magique des créatures est la sirène. Tu tiens ça d'où? C'est la licorne. Je sais ce que je dis. Oh, non, c'est la sirène. C'est la licorne. Eh bien, quel débat passionné. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, non? Le concours des artistes. Oh, je dois attendre combien de temps? Je me demande si j'ai des points en plus si j'arrive à l'heure. Calme-toi, pas de panique, je suis là. Waouh, on dirait que quelqu'un s'est déguisé en cheval ailé à cornes. Je crois que la magie de la plus magique des créatures va m'aider aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir avec la première mission, transformer un objet qui écrit. L'équipe des licornes représentée par Su a choisi un stylo ordinaire. Attends une minute et il ne sera plus si ordinaire que ça. Je vais coller des petites boules pour cacher cette partie-là. Et Samantha, fan de sirène, a décidé de transformer un marqueur. Waouh, regarde comme c'est beau. Hop, hop. Vas-y, amuse-toi. Faisons une corne de licorne avec de l'argile auto-durcissante. Et avec un cure-dent, on s'occupe du relief des petites diagonales. Ok, il est temps que je me mette au travail. Super! Je vais coller un morceau de tissu sur le marqueur, comme ça. Et un plus petit morceau de tissu pour le bouchon. Il faut juste que je ne me trompe pas de taille. Une licorne ne fait pas de magie sans sa corne dorée, n'est-ce pas? Il reste les oreilles. Et je vais mettre du brillant sur tout le stylo. Hein? Il est où? Sam, qu'est-ce Quoi? Que tu fais? Tu as décidé de saboter mon travail? Prends-moi ça. S'il te plaît, j'ai presque fini. J'ai juste besoin de dessiner une jolie nageoire et l'attacher au marqueur. Je vais couper deux parties identiques du papier en mousse brillant. Ensuite, je colle le tout comme ça et je l'attache au bouchon du marqueur. Ça y est. L'idée du papier en mousse est excellente. Je vais faire une jolie crinière avec. Super, laisse-moi voir. Je vais voir ce que tu as. Waouh, regarde comme ça brille. Les deux candidates s'en sont sorties merveilleusement bien avec la première mission. Voyons maintenant ce qui les attend. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre prochain... bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'aider. Tiens ça, eh Sam. Bien, quel chantier! C'est impossible à faire sans s'organiser un peu. Prenons un peu de pâte à modeler. Voilà, super! Et on la colle autour d'un support de rouleau de scotch en aplatissant les bosses. Je adore les licornes, mais je préfère un cheval de mer. Et voilà, c'est terminé. Merci. Et que fait ta rivale ici? Ça ne se voit pas? Une queue de cheval de mer, bien sûr. On le roule comme ça. Intéressant. Et maintenant, nous pouvons le coller à sa place. Il suffit de bien appuyer dessus. Ça a déjà l'air bien, mais il manque quelque chose. Des paillettes brillantes pour les écailles. Ça donnera une lueur magique à notre hippocampe. Waouh, quelle beauté! Pas touche! Hé, doucement! Lorsque la pâte à modeler aura durci, nous donnerons à notre hippocampe un éclat nacré. Puis nous le fixerons sur le dessus avec du vernis à ongles transparent. C'est une merveille, mesdames et messieurs! Mais comment ça marche? C'est simple, on arrache la quantité nécessaire de ruban adhésif. Incroyable! Et voilà. 10 points pour Gryffondor! Et je vais dire les sirènes! C'est très beau en effet, mais il ne contient qu'un peu de ruban adhésif. Voilà qui est mieux.
Cette fois, faisons notre licorne en rose. C'est ma couleur préférée. Tu fais de la lèche au juge, Suzanne. C'est malin. Oh, ça va. Pour mettre en valeur certains détails, appliquons-leur du vernis à ongles. Et ensuite, ajoutons de la poussière dorée magique. Parfait. Il est temps d'assembler notre construction. Et maintenant, le truc principal. Wouh! C'est tellement beau! Oui. Attends, ça fait quel bruit un hippocampe? Délicieux! Et encore une fois, nous avons deux grandes créations! Il est temps de compliquer notre compétition! Nos concurrents ont déjà reçu leur prochaine mission: fabriquer des marque-pages! Mais cette fois, Sue va travailler sur un objet de sirène! Non, ça n'a pas l'air super! Et ce n'est pas ça non plus! Oui, celui-là! Maintenant, nous devons découper soigneusement la queue de la sirène en suivant le pochoir et l'envoyer dans le four. Sam, tu peux m'aider? Oui, donne-le-moi. Je le ferai toute seule. En attendant, je m'occupe des écailles. Nous allons aussi les découper dans l'argile à l'aide d'une paille en plastique. C'est simple. Donnons à l'aileron un aspect plus naturel, puis cuisons et peignons tout à nouveau. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, cool. Merci beaucoup. Voilà comment les anciens rivaux deviennent facilement des assistants l'un pour l'autre. Ajoutons encore quelques paillettes. Oh, j'adore. Nous allons coller la queue sur un joli dessin et obtenir le meilleur marque-page. Je ne tirerais pas de conclusion hâtive si j'étais toi. Tu n'as pas encore vu ce que j'ai inventé. Bien sûr, les licornes ne sont pas ma tasse de thé, mais je sais avec certitude que là où elles vivent, il y a un arc-en-ciel. Le mien sera inhabituel. Regardez comme il brille. Du papier mousse et c'est tout? J'ai été beaucoup plus créative avec ton marque-page. C'est Sam qui t'a transmis ton impatience. Je te demande pardon. Oh, désolé, monsieur l'animateur. Ouch! Maintenant, on enfonce le petit gland de décoration pour faire une jolie queue. Et ajoutons une paire de jambes. N'oubliez pas le relief. Oui, merci. Oh, j'adore les créations qui rassemblent. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'or au sabot avec de la peinture acrylique et donner à la licorne un éclat mystérieux et fabuleux avec du vernis à ongles. Alors, vous êtes tous prêts pour la touche finale? C'est parti! Hop! Et tout est prêt! Et voilà! Mesdames! Quel dilemme! Comment puis-je choisir la gagnante? Oh, merci, Tibidabo! Je ne suis jamais à court d'idées de bricolage! Donc, pourquoi as-tu besoin d'une boule d'aluminium, Sam? Eh bien, vous avez entendu notre prochaine mission, faire un joli porte-crayon. Je vais faire le mien en forme de coquillage. Ça sera la base. Et maintenant, nous devons bien pétrir cette argile rose. Eh bien, je vais travailler avec de l'argile aussi, mais avec des gants. Pour commencer, faisons une forme d'arc-en-ciel en roulant une saucisse. C'est ça, super! Et on le plie en forme d'arc. Et maintenant, nous devons faire quelques trous pour les crayons et les stylos. L'arc-en-ciel en argile dessus va bientôt être prêt à être peint. En attendant, Samantha fabrique un verre super long ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un verre. Voyez par vous-même. Je vais maintenant emballer soigneusement le cadre en aluminium, doucement, en spirale et sur toute la longueur. Et voilà le résultat. Mais les vrais coquillages ne sont pas du tout lisses. Occupons-nous de cela. Et ensuite, on le mettra au four. Pendant que Samantha travaille sur le relief de son coquillage, je vais égayer mon arc-en-ciel de bureau. Joli nom, n'est-ce pas? Je pense qu'il manque quelque chose, tu. Vraiment? Je me demande bien ce que c'est. Eh bien, maintenant, j'ai le temps de la rattraper. Un peu de magie de sirène. Génial! Et quelques paillettes nacrées sur le dessus. J'utilise un pinceau sec pour ça. Les mots de Samantha en tuent, mais elle sait déjà ce qui manque à son art. Oh! Des nuages! Ils seront parfaits ici. Travaillons un peu sur leur forme, comme ceci. Voilà! À mon avis, c'est parfait. Et tout est à portée de main. Mais ta création n'est pas comparable à la mienne. Celle-ci peut contenir plus de choses. Samantha 1, Sue 0.
Mais le mien peut tenir sur la table, contrairement au tien. Qu'est-ce que tu as dit? Mesdames, s'il vous plaît, je suis le juge ici. Et j'ai pris ma décision. Nous avons besoin d'une finale. Très bien, c'est l'heure de la compétition la plus dangereuse du jour. Sue, Samantha et les ciseaux. L'équipe de licorne a choisi l'argile comme matériau principal pour sa création. Des ciseaux de licorne, c'est un rêve. Regardez comme c'est mignon. Ah ah! Cette fois, Suzanne fait une créature ailée. Pas mal du tout. Nous devons laisser l'argile bien durcir et ensuite nous pouvons faire marcher notre imagination. Soulignez les yeux et les narines avec un marqueur noir et le tour est joué. L'équipe de la licorne l'a fait en un clin d'œil. Et comment se débrouillent les sirènes? Apparemment, cette fois, Samantha a choisi une approche artisanale non standard. La vaseline empêchera les ciseaux de coller au parchemin parce que je vais travailler avec un pistolet à colle. Ne l'utilisez pas sans la surveillance d'un adulte, les amis. Et regardez comme la poignée des ciseaux prend la forme d'un aileron. Oui, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est vraiment la première fois que je vois ça. N'oublie pas de couper la colle juste ici pour que les ciseaux puissent s'ouvrir. Travaillons la forme de l'aileron. On peut la faire fondre avec un outil chauffant. Et maintenant, nous allons recouvrir la colle avec... avec de la colle blanche. Quoi? Tu es sûre que tu n'as pas fait d'erreur? Bien, comment je pourrais le décorer autrement? C'est à moi que tu demandes ça? C'est ta création. Voyons ce qui en sortira. Maintenant, c'est le moment de tout donner. On n'en fait jamais trop. Ah, c'est le paradis. C'est-à-dire pas mal, les sirènes. Et la touche finale, le vernis acrylique. Waouh, chers spectateurs, quel ciseau préférez-vous? Cliquez sur j'aime pour les sirènes et abonnez pour les licornes. Et maintenant, les juges se retirent pour compter les points. Et vous pouvez vous souvenir de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. J'ai hâte de connaître les résultats de la compétition. Quoi? Tu as hâte d'échouer, Suzy? Ok, mesdames, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, le gagnant est... Sam le Slime Rose! Quoi? Quelle différence du moment que toutes ces créations de bureau sont pour moi! Ah oui? Oh. Vous l'aurez voulu! Ouh. Les amis, nous espérons que vous vous êtes autant amusés que nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Bye bye! Hey, où êtes-vous passé? Vous m'avez oublié!